« Madame, la réception de l'hôtel, s'il vous plaît. »« La réception Et c'est moi, es. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service ?»« Je voudrais une chambre. »« Rien de plus facile. Venez par ici. Si vous voulez bien entrer dans le bureau. Vous la voulez avec une salle de bain ?»« Oh, ce que vous aurez <laughs> !»« vous, vous, vous êtes pas difficile. Euh, attendez un peu, un peu, que je regarde ce qui me reste. Le 23 Non, non, non. Le 18 Pas avant-demain » Ah, J'aurais bien le douze, mais c'est une charme pour deux personnes. Elle me conviendra. Vous avez raison, allez. Comme ça, vous pourrez vous élargir dans le lit. Mais je vais quand même vous la montrer. Inutile, je, je la prends. Vous me faites confiance et vous ne le regretterez pas. C'est pour plusieurs jours ou pour une nuit seulement Je ne sais pas encore. On dirait demain matin, avant midi. Hein. Je vais la faire préparer pendant que vous remplissez votre fiche. Tenez. Vous avez de quoi écrire j'ai ce qu'il me faut, mais. J'aimerais d'abord téléphoner. La cabine est au fond du couloir, là-bas, à côté de la porte de communication avec le bar. Vous demandez un jeton au comptoir, et. Maintenant, si vous préférez téléphoner d'ici. Je préfère, oui. Eh ben, allez-y, allez, allez, allez. Tenez, l'appareil est juste là, derrière vous. Merci, madame. Dans cinq minutes, votre chambre sera prête. Politette, oui, moi je préparer le 12, tout de suite. Bon, d'accord. Allô? Je voudrais. Oui, c'est moi. Ah, tu es déjà au courant. Je suis à l'hôtel du midi, sur la Cannebière. Tout en haut à côté des réformés. Comment pas assez discret? Mais ça n'a plus aucune importance. Vous avez des bagages, madame? Euh, des bagages? On les apportera ce soir ou demain matin. Pas de bagages pour une tête. Bon. Allô? Non, non, c'était l'hôtelière. Je te disais, aucune importance. On va pas entamer une discussion au téléphone. Oui, dès que tu pourras. J'ai le 12. Le 12. Je ne bouge pas. Dites, madame, si vous avez d'autres cours de fil à donner, vous gênez pas. Vous êtes très aimable, mais j'ai terminé. Est-ce que je peux monter tout de suite Quand vous voudrez, madame. Je remplirai ma fiche là-haut. Euh, prenez votre temps pour demain matin. Qu'est-ce que vous voulez comme petit déjeuner Du thé et des biscottes. Vers 8h30, hein Pas plus tard. 8h30 Thé et biscottes. C'est noté. Je vais vous conduire. Eh, et eh, n'oubliez pas ah, votre sac. Ah Merci, madame. Je vous montre le chemin. Attendez. Voilà. « Et alors, madame ?»« Je lui ai montré la chambre, monsieur le commissaire, et puis je suis redescendue. De, depuis, peu cher, je ne l'ai plus revue. »« C'est pourtant vous qui avez découvert le corps. »« Je veux dire, plus revue vivante. Elle mmh. était là, en travers du lit, les jambes pendantes. Si vous aviez vu sa tête, mon pauvre monsieur, moi qui tourne de l'œil comme rien, ça m'a fait un effet. Il paraît qu'elle aurait été étranglée. »« Dans le courant de la nuit, l'autopsie l'a confirmé. Et le lit était dans cet état ?» Pareil que vous le voyez, hmm. tout ça dessus dessous. J'ai rien touché dans la pièce. Et elle, déshabillée Tout nue sous son manteau. Hmm. Ses vêtements En vrac sur un fauteuil. Elle aurait donc endossé le manteau en guise de robe de chambre. La oh, pauvre, elle n'avait pas encore reçu ses bagages. Et on ne les a pas livrés aujourd'hui non plus. Non plus. Ça y est, patron, j'allais finir avec la bonne. « Oui, elle m'a raconté comment elle avait découvert le corps ce matin avec madame. »« Si Paulinette vous a tout raconté, je ne vois pas pourquoi je perdrais mon temps à recommencer. »« Au contraire. La comparaison entre deux témoignages est parfois fructueuse. On peut oublier un détail. »« Bon. Alors ce matin, je commence par le commencement. Mmh. Ce matin à 8h30, Paulinette lui monte le petit-déjeuner. Mmh. Du thé et des biscottes. Elle frappe. Pas de réponse. » C'est bien ça qu'elle vous a dit Oui, oui, continuez. Elle vient m'avertir, et comme la veille, la cliente m'avait recommandé de la réveiller à 8h30, je remonte avec Paulinette. On a beau bombarder la porte avec les poings, un silence de mort, monsieur. Et ça y est, que je me pense, elle t'a fait le coup. Quel coup et Le coup de celle qui file de bonheur ça me payait. Il y avait que deux solutions. La première... Oui, abrégé, s'il vous plaît. Et dites, vous en voulez ou vous n'en voulez pas des détails vous croyez qu'elle a filé à l'anglaise Vous ouvrez avec un pince. Et je me la vois, là, en travers du lit, les jambes pendantes, la figure toute noire ah, mais, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Ensuite Ensuite, j'ai téléphoné au commissariat. Ils sont venus, toute une bande, avec leurs gros souliers, Et il y en a eu un de ces remu-ménages dans la maison, jusqu'à une heure, jusqu'à ce qu'on ait emporté le corps. J'ai fermé la porte et j'ai mis la clé dans le tiroir du bureau. Vous n'êtes pas remonté après l'enlèvement du corps. Dieu garde, non Et quand elle est arrivée hier, quelle heure était-il autour, autour de cinq heures. Elle n'est pas sortie. Ça, je ne pourrais pas le jurer. Mais... J'ai entendu qu'elle disait au téléphone, je bouge pas d'ici. Son correspondant était un homme ou une femme J'ai pensé que c'était un homme. Pourquoi Une idée, là, comme ça. Donc, ça pourrait être aussi bien une femme. À la réflexion, il euh, n'y a rien de contre. Mm. Et sa fiche On l'a retrouvée sur la table de nuit. Elle était vierge. Ça m'étonnerait. Elle portait une alliance. Je parlais de la fiche, madame. Ah, bon. La fiche. Mm. Elle avait écrit dessus. Elle devait la remplir dans la chambre. On ne peut pas bousculer le client. Vous comprenez Surtout qu'elle avait l'air de quelqu'un de bien. Qu'entendez-vous par là euh, Quelqu'un de chic, bien coiffé, bien maquillé. Et un manteau de vison, oui, qui ne devait pas coûter quatre sous. Oui, on n'a pas touché à ses bijoux. Et puis c'est pas du toc. On n'a pas touché aux bijoux, mais on a volé le sac à main. Et vous êtes sûr qu'elle en avait un Je l'ai vu comme je vous vois. Mmh. Un beau sac en veau verni. Je paierais cher pour savoir ce qu'il y avait dedans. C'est papier d'identité, vraisemblablement. Oui. Et je me demande si c'est pas uniquement pour ça que le meurtrier l'a emporté. Un cadavre sans identité, ça complique tout. Avec le vison, les vêtements, les bijoux, c'est bien le diable si on ne parvient pas à remonter la filière. Mais ce sera long. Et quand la piste est refroidie, je me demande aussi s'il n'y avait pas autre chose dans le sac. Le bulletin de consigne de ses bagages, peut-être. Hey, c'est pas bête ce que vous dites là. Euh, et pourquoi je serais bête ce que je dis? Quand on descend dans un hôtel, ben, c'est qu'on est en voyage. Et si elle arrive de l'autre bout du monde, ça va doublement compliquer les choses. Qu'est-ce qu'on sait d'elle, en somme? Elle semble avoir de l'argent, elle est élégante, mariée, si l'on considère l'alliance. Son âge, approximativement oh, La trentaine, d'après Paulinette. Oui, oui, 28 à 30. Et jolie par-dessus le marché. Elle connaît quelqu'un à Marseille à qui elle téléphone, et d'après ce que vous avez entendu, qu'elle semble avoir invité à venir ici. C'est bien votre impression Tout à fait. Mmh. Naturellement, vous ne contrôlez pas toutes les allées et venues. Oh, surtout si on est passé par le bar. Il y a toujours un va-et-vient, tard dans la nuit, au moment de la sortie des théâtres. Avec ça, on n'est pas fauché. Avez-vous enregistré des départs ce matin euh, Comme d'habitude. Des clients s'en vont, d'autres arrivent tous les et jours. Combien aujourd'hui Cinq et demi. Hein Cinq et demi Oui, il y avait un couple avec un petit. Hein ah. Et hier soir, après cinq heures Rien qu'un. Un, un commis-voyageur, si je me trompe pas. Je parie qu'il n'est plus là. Mais moi, je vous parie le contraire. Je viens encore de le voir. Il a retenu sa chambre pour trois jours. Tu t'occupes de tout ça, Guérin. Les vérifications d'usage. Oui, oui. Ça donnera sans doute pas grand-chose, mais faut le faire. Hein. Madame, madame. Je suis là, au 12 C'est Paulinette. Madame, en bas au téléphone. Eh bien, elle va quoi, le téléphone Mais il y a quelqu'un qui demande à parler à la cliente du 12. Qu'avez-vous répondu euh, J'ai pas osé, j'ai dit que j'allais voir. Vous avez raccroché Non, elle attend au bout du fil. C'est une femme Ça m'a bien semblé. J'y vais. Bon, ben, je vous suis, patron. Par ici, patron, le téléphone est dans le bureau. Chut, c'est toi. Allô Bonjour, madame. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Mon employé vient de m'avertir que vous désiriez parler à une de nos clientes. Et co comment dites-vous Madame Grancet. -E G-R-A-N-C-E-Y. La cliente du 12. Oui, oui, je sais. Ah, elle est sortie. Et sa clé est au tableau. Qui sait et vous pouvez laisser un message, madame. Oui, oui, je note. Qu'elle rappelle, sans faute, 480060. De la part de qui De son mari. Et soyez sans crainte, la commission sera faite. Et, mais vous-même, madame. Allô A Allô C'est ah, à la couper. Alors, qui c'est Avez-vous une grand parmi vos clientes Jamais vu ce nom-là. De plus, le numéro de la Chambre concorde. Qu'elle rappelle sans faute le 480060. Grain, mmh. tu me demandes l'identité de l'abonné au renseignement. Tout de suite. Allô les renseignements Police, c'est urgent. La commission vient de la part de son mari. Donnez-moi l'identité du 480060. Ce qui, entre parenthèses, confirme l'alliance. Non, non, je ne quitte pas. Et elle est faite par une femme. C'est peut-être à celle-là qu'elle a téléphoné hier soir. En tout cas, celle-là ignore le meurtre, sinon. Allô, oui, oui, je suis toujours là. Ah, vous dites bien, Grand G-R-A-N-C-E-Y. Vous dites le même nom Allô, allô, je répète. Grand C, Alexandre, armateur, 218, boulevard des Alpes. Merci. Alors qu'est-ce que vous en dites, patron C'est le mari, pardi. Et si c'est le mari qui a fait faire la commission. Je vérifie. Vas-y. Okay. Et s'il est là, tu veux le passe. Ok. Allô? Pourrais-je parler à M. Grancet, s'il vous plaît Ah bon. Merci. Il est à son bureau sur le port, quai de la Joliette. Mmh. Entrez. Monsieur, il y a un visiteur qui insiste pour être reçu. Il a un rendez-vous? Non, monsieur, mais il tient beaucoup à ce que je vous remette sa carte. Donnez. Baron commissaire divisionnaire. Il est de la police C'est ce qu'il dit. Il dit aussi que c'est urgent. Bon, faites entrer. Monsieur, s'il vous plaît. Pardon. Excusez-moi de forcer votre porte, monsieur Grancet. Je vous en prie. Vous pouvez nous laisser, Hélène. Asseyez-vous, monsieur le commissaire. Merci. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit de. de votre femme, monsieur Grancet. Marceline il est arrivé quelque chose, quelque chose de grave Un accident, un accident de voiture Pourquoi pensez-vous à un accident de voiture C'est la première idée qui me vient. Ce n'est pas ça Non. Ah, oh, mieux. Ben, il fait peur. Il ne reste pas moins que je vous l'ai dit. C'est grave, très grave. Quand ça Il faut vous attendre au pire. Parlez, bon Dieu, vous voyez bien que votre femme est morte, monsieur Grancet. Morte C'est pas vrai. Elle a été assassinée cette nuit. Cette nuit hein C'est <laughs> tous les faits que ça vous fait non, Je vous demande pardon. Le soulagement, la, la réaction. Et ma femme n'a rien de commun avec votre malheureuse victime. Et vous avez l'air bien sûr de vous. Ma femme ne peut pas avoir été assassinée cette nuit puisque j'ai déjeuné avec elle à midi. Hmm. Où ça Chez nous, parbleu. D'ailleurs, si vous désirez en avoir le cœur net, le temps de jeter un ordre dans l'interphone. Hélène, vous êtes là Oui, monsieur. Appelez immédiatement chez moi. Dès que vous avez la communication, vous me la passez. Bien, monsieur. Quel est votre numéro de téléphone 480060. Hmm. Et vous demeurez bien euh, 218 boulevard des Alpes À Saint-Barnabé, oui. Il y a quelque chose qui m'échappe. J'écoute. Vous avez la communication sur la 3, monsieur. Merci. Allô, Marceline Oui, c'est moi. Tu vas bien Et... Non, 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 je t'expliquerai. Et excuse-moi, on réclame sur l'autre ligne. Je te rappellerai. Et voilà. Ma femme est à la maison en parfaite santé. Il y a pourtant dans cette histoire une coïncidence troublante. Hier après-midi, vers 5 heures... La victime a loué une chambre à l'hôtel du Midi sur la Cannevière. Attendez un peu, non, non, ce serait terrible. Vous pensez à quelqu'un Quel est son prénom ah, Je l'ignore, comme on ignore son identité. Mais on a toutes les raisons de croire qu'elle est mariée, qu'elle porte le même nom que vous et que. Comment est-elle, physiquement Plutôt grande, jolie, mais élégante. Blonde Oui. Euh, 29 ans oh, Environ. Elle avait un manteau de vison et pas de bagages. Si possible, les journaux ce soir publieront sa photo. À propos de photos, j'ai là, quelque part dans ce tiroir, je euh, vous euh, bon Dieu de... ah, ah, tenez, regardez. Vous la reconnaissez Sans aucun doute. C'est Laure, ma belle-sœur. Et l'homme qui est avec elle Mon frère André. Ils ont eu des mots hier après-midi. Laure est partie en claquant la porte et... Ce matin, elle n'avait pas encore donné signe de vie. Et votre frère est plus jeune que vous. De six ans. Je mmh. cours sur mes 42. Ils étaient mariés depuis sept ans. Mmh. Alors, et puis comment l'a-t-on étranglé Qui ah. On cherche. Ah, euh, quelle histoire Il y a des drames qu'on n'osait même pas imaginer. Et puis. Et ce pauvre André, je me demande comment lui annoncer la nouvelle. Oui? Le commandant du Galatée est là, monsieur. Que le fèvre le reçoive, je suis occupé. Votre frère habite Marseille? L Avenue du Prado. <laughs> Nous travaillons ensemble. Associé? Hum. Plus que ça. Mieux que ça, une affaire de famille qu'on se transmet de père en fils. Et pourquoi n'est-il pas là aujourd'hui? Ah, ici, ce sont les services techniques, si je puis dire. <laughs> On y traite des questions purement portuaires. Nos bureaux commerciaux sont à la rue Colbert. C'est le rayon d'André. Je le trouverai donc là-bas. Bon, en principe, oui. Mmh. Rien n'empêche de lui donner un coup de fil. Mais non. Non, je, je ne peux quand même pas lui annoncer ça par téléphone. J'aime autant y aller directement. Je vous accompagne. Oui, j'écoute. Monsieur Jean-Marc est là, monsieur. Il pas le temps, je le verrai ce soir. Papa, il faut que je te parle immédiatement. C'est important. Mais à quel sujet au sujet de ma tante. De l'or Oui. Et viens tout de suite alors. Dans ton bureau Moi, Je préfère. Je te dit de venir. Il y a quelqu'un, mais il est au courant. Bon, j'arrive. C'est mon fils. Il travaille aussi avec vous Il a tout juste 21 ans il poursuit ses études à la faculté de droit. Papa, tu as lu les journaux du soir Je vous demande pardon, monsieur, mais mon père m'a dit. Ferme d'abord la porte. Oui. Et voici monsieur le commissaire parent. Vous venez pour. Le meurtre de Laure Grand-Séwin. Oui. Dans le journal, on parle pourtant d'une victime non identifiée. Dans ce cas, et comment avez-vous su qu'il s'agissait de votre tante La photo En première page Regardez. Permettez. L'inconnue de la chambre 12 sera-t-elle identifiée un jour Tu te rends compte, papa Étranglée. Oh, C'est affreux. Elle si jeune. Si je lis. Je pense surtout à ton oncle. Quel coup. Il est au courant Je l'ignore. Pas par la police, en tout cas. S'il a lu les journaux. Je m'apprêtais à aller à rue Colbert avec monsieur le commissaire. Les journalistes adorent les détails. Ils en inventeraient au besoin. Votre frère a l'habitude de lire les journaux du soir Tout dépend de ses occupations. Moi-même. Je... Excusez-moi. Alors, oui Oui, toujours là. C'est pas vous, monsieur le commissaire. Oui. Je vais partir. Ah, tu as bien fait. Je rapplique en vitesse. Il est là et oui, dans votre bureau, patron. Comment oui. a-t-il appris le crime À part le journal, grâce à la photo. Il a filé subito à la morgue où il a reconnu le corps. On l'a renvoyé ici. Et pas trop effondré. Il tient bien le coup. Le plus dur ça a été à la morgue. Depuis, il a eu le temps de récupérer. C'est un caractère. Ça m'évitera les attendrissements. Bon, vous voulez le voir tout de suite ah, Plutôt sera le mieux. Monsieur Grancet, voici Monsieur le Commissaire Paron. Je vous présente mes condoléances, Monsieur Grancet. Je vous remercie. Non, 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 restez assis, je vous en prie. Vous avez du nouveau Malheureusement non. non. J'arrive de chez votre frère, qui est de la Joliette. Vous avez fait une confusion entre lui et vous. Quand dit-il Ah, il ne comprend pas. C'est incompréhensible. Moi-même, je me casse la tête. Ma femme n'avait pas d'ennemis. Personne n'avait intérêt à la tuer. Pourtant, quelqu'un l'a fait. Et qui a-t-il eu entre vous hier après-midi, avant qu'elle s'en aille oh, Nous avons eu une discussion qui a dégénéré en dispute par ma faute. À quel propos ah, Vous deviez bien vous douter que j'allais vous poser cette question. Une question qui réclame une réponse franche. Crois qu'il puisse vous en coûter. J'avais reçu une lettre anonyme. On m'annonçait que Laure avait une liaison. Cette lettre, vous l'avez conservée Je l'ai sur moi. Des caracas d'imprimerie découpés dans un journal et collés sur une feuille blanche. Constatez vous-même. Oui, C'est très laconique. Votre femme a un amant. J'ai fait une scène de jalousie à Laure. Elle a eu un mouvement d'humeur. Et déserter le domicile conjugal et, et descendre dans un hôtel avec l'intention d'y coucher au moins une nuit, ça n'est pas ce simple mouvement d'humeur. J'avais été particulièrement grossier. Guérin, tu as la déposition de l'hôtelière, là Oui, elle est à côté. Et tu me recherches le paragraphe du téléphone Tout de suite. Revenons à cette lettre, monsieur Grancé. Vous n'avez aucune idée sur son origine Absolument aucune. Elle est arrivée à mon domicile hier, en fin de matinée... Je n'en ai pris connaissance qu'au début de l'après-midi. elle a été postée à Marseille même Oui. Je n'ai pas gardé l'enveloppe. L'adresse était également composée de lettres découpées. Et Mme Grancet n'a pas eu la curiosité de l'ouvrir C'est la femme de ménage qui reçoit et distribue le courrier. Elle l'a mise dans mon bureau avec d'autres lettres d'affaires. Hmm. Voilà, j'ai le paragraphe. Mais dis-le, euh, La cliente du 12 a téléphoné. Et j'ai entendu qu'elle indiquait. Ça se passait hier après-midi vers 5 heures à la réception de l'hôtel du midi. J'ai entendu qu'elle indiquait l'hôtel en disant que ça n'avait plus d'importance d'être discret. Elle a aussi indiqué le numéro de sa chambre et a ajouté qu'elle ne bougeait pas d'ici. À la lumière de la lettre anonyme, ne trouvez-vous pas que c'est clair Pour vous peut-être, pas pour moi. Une femme qui aurait rompu, excusez ma brutalité, elle est nécessaire. Une femme qui aurait rompu avec son mari et qui l'annoncerait à son amant en lui fixant un rendez-vous à l'hôtel n'aurait pas parlé d'une autre façon. Dites-moi, votre femme n'avait-elle pas réellement un amant Vous savez qui Non. Eh, vous pouvez nous aider à le savoir. Et d'abord en disant la vérité sur votre rupture d'hier, car il y a eu rupture, n'est-ce pas euh, Je lui ai reproché sa coquetterie, ses sorties trop fréquentes. De petits détails me remontaient en mémoire. Il y a des signes qui ne trompent pas. Je l'ai poussée à bout, alors elle a fait front. Elle m'a crié en pleine face que c'était vrai, qu'elle aimait un autre homme. Elle est partie avant que j'aie pu la retenir. Sans emporter de bagages, Même pas une valise. C'est ce qui m'a laissé croire à un hein, faux départ. Sur le moment, j'étais fou de colère. Ensuite, j'ai réfléchi. Je me racontais que je l'avais exaspérée avec mes soupçons, qu'elle avait menti exprès par bravade, qu'elle allait revenir. J'aurais tout accepté pour qu'elle revienne. Même si vous aviez acquis la certitude qu'il enfin, y avait un autre homme dans sa vie, en comparaison de ce qui est arrivé, est-ce que cela compte encore D'ailleurs, je n'étais sûr de rien. Et maintenant oh, Maintenant, il faut bien se rendre à l'évidence. Pourquoi il fait ça Pourquoi Qui ça Il. Si je le savais, si je le savais, vous n'auriez plus à vous occuper de lui, ni vous ni personne. Vous avez encore besoin de moi non, non plus pour aujourd'hui. Et vous pouvez disposer. Par ici, monsieur. Vous me tenez au courant Mais dès que j'ai du nouveau. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur le commissaire. <coughs> le patron, euh, oui. vous avez oublié de lui parler d'une chose. Et quoi donc, mon Dieu Des coups de fil de cet après-midi à l'hôtel. Hmm. La femme qui a laissé la commission pour la cliente du 12. Je n'ai pas osé en parler moi-même. Mais... Tu as bien fait, parce que figure-toi qu'il ne s'agit pas d'un oubli. Hmm. J'ai là-dessus ma petite idée. Pas. Maman, le commissaire vient ici. Tu l'as rencontrer Jean-Marc Non, non, mais juste comme je sortais, je l'ai vu garer sa voiture en face. Alors je suis remonté en vitesse vous prévenir qu'il doit me suivre dans l'escalier. Enfin, mais ce n'est pas une raison pour te mettre dans un état pareil. Au fait, je... tu ne vas pas à ton cours ce matin. Oh, si tu crois que j'ai la tête à ça... Ah, ne bougez pas, j'y vais. Depuis hier, il est comme ça, tendu comme un ressort. Euh, ça se tassera. Ah, Chut. Mais voilà. C'est monsieur le commissaire. Chut, il n'a rien de nouveau. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, monsieur Grancet. Je vous présente ma femme. Madame Monsieur, asseyez-vous, je vous en prie. Tu vas être en retard à ton cours, Jean-Marc. Euh, Excusez-moi. Euh, je vous laisse. Mon frère m'a fait part de l'entretien qu'il a eu avec vous hier soir. Précisément, je viens vous voir à son sujet. Et vous a-t-il dit qu'il avait reçu une lettre anonyme Lui dévoilant l'infidélité de sa femme, oui. Oh, ça devait arriver un jour ou l'autre. Sa liaison vous était connue oh, Aucune liaison en particulier, mais elle n'en était pas à une aventure près. Voyons, Marceline. Oh, elle passait le plus clair de son temps en ville. Pas besoin d'être sorcier pour deviner ce qu'elle allait y faire. Non, ça ne sont que des suppositions, monsieur le commissaire. Et étayez sur quoi, madame oh, Sur rien de positif. Je n'ai aucun fait à vous rapporter, mais... Je ne sais pas, il y a des choses qui se sentent. Alors, mmh. Disons que qu'elle avait un genre qui n'était pas le bon. Son infidélité crevait les yeux à ce point-là. Votre frère, pourtant... André était aveugle. Non, je ne suis pas de ton avis. Il ne le montrait pas, mais il était inquiet. Cela aussi, ce sont des choses qui, qui se sentent. Hier après-midi, on a téléphoné de sa part à l'hôtel du Midi. On désirait parler à sa femme. Laure était déjà morte, non On l'ignorait, vraisemblablement. On a même laissé un message pour elle. Un message de la part d'André. Mmh. On lui faisait dire de téléphoner ici, à votre propre numéro. Si mon frère vous a déclaré avoir fait faire la commission. Il ne m'a rien déclaré du tout. J'ai seulement eu la chance de me trouver à l'hôtel pour prendre la communication. J'ai un peu triché en jouant le rôle du patron de l'établissement. Mon correspondant était une femme. C'était moi, monsieur le commissaire. Je m'en doutais un peu, mais je préfère vous l'entendre dire. Mais moi, j'aurais préféré que ce soit André qui vous parle le premier. Il est vrai que le fait n'avait plus qu'un intérêt secondaire. Ainsi donc, madame, ce serait votre beau-frère qui vous aurait chargé de. Il avait attendu toute la nuit et toute la matinée le retour de l'or. Il se refusait à envisager un départ définitif. Il crânait même. Et Puis au début de l'après-midi, il est venu me voir. Vous Personnellement ah. Devant moi, il n'aurait pas voulu avoir l'air de capituler. Avec Marceline, son amour propre en souffrait moins. Il m'a avoué qu'il qu n'osait pas contacter directement Laure. Hmm. Il aimait mieux que je serve d'intermédiaire. Hmm. Oh, il faisait peine à voir. En une nuit, il avait vieilli de dix ans. Et vous avez téléphoné devant lui Il était terriblement impatient d'avoir une réponse. Celle que nous avons obtenue l'a déçu d'ailleurs. Néanmoins, il est reparti avec un nouvel espoir au cœur. Précisons. C'est bien lui qui vous a demandé d'appeler sa femme à l'hôtel du midi. Oui. Et c'est toujours lui qui vous a fourni l'adresse et le numéro de téléphone. Euh, évidemment. Comment avait-il appris qu'elle était descendue dans cet établissement Je ne sais pas. Et depuis quand le savait-il Je ne sais pas. Depuis la veille, peut-être Je ne me suis pas posé la question. Et s'il le savait depuis la veille, pourquoi n'a-t-il réagi que le lendemain, alors qu'il avait tout lieu de croire que sa femme ne passerait pas la nuit toute seule hum Ne trouvez-vous pas son comportement pour le moins bizarre Qu'allez-vous insinuer Rien qui ne vous soit déjà venu à l'esprit. Les réactions d'un mari jaloux sont parfois imprévisibles, ou malheureusement trop prévisibles. S'il m'avait téléphoné. C'est qu'il croyait l'or toujours vivant. Hmm. Ou qu'il a voulu faire croire qu'il le croyait. Vous accablez mon frère, Monsieur le Commissaire. Mais l'amant. Hmm? Vous ne connaissez pas son identité, vous n'êtes même pas certain qu'il existe. Et voyez-vous, Monsieur Granset, je suis dans la même situation qu'un écolier devant un problème d'arithmétique. Peu importe la marche à suivre, que ce soit par la voix de l'amant ou du mari, l'essentiel n'est-il pas d'arriver à la solution « Enfin, vous, monsieur le commissaire, je commençais à me languir. »« Je suis accouru dès qu'on m'a fait part de votre coup de fil. Et l'inspecteur Guérin est là Chut ?»« Chut Au premier, il surveille le couloir. »« Ah, le client est donc toujours là ?»« Au oh, douze. d'abord, j'ai cru que c'était un journaliste. J'avais tellement vu depuis hier. »« Si vous commenciez par le commencement. »« Eh bien, il est arrivé vers deux heures. Oui. Il a demandé une chambre. Mmh. » il a insisté pour que j'y donne le douze ah. mais ce qui s'appelle insister oui. après il s'est enfermé dedans et il s'est mis à écrire à écrire et comment avez-vous pu le voir j'ai un peu espéché par le trou de la serrure <laughs> et vous allez voir que j'ai bien fait au bout d'un moment il a levé sa veste alors monsieur ça a été la goutte d'eau qui m'a mis la puce à l'oreille un revolver un vrai est tombé de sa poche. Et naturellement, il n'a pas rempli sa fiche. Eh non, pas encore. Eh. Venez avec moi, on va lui faire une petite visite. Votre collègue, il est au 17, comme oui. ça, il peut surveiller la porte du 12 sans se faire remarquer. Oui. Et vous allez frapper à la porte du 12. Moi Mais pourquoi moi et Parce que si c'est vous qui lui parlez, il ne se méfiera pas et puis il viendra vous ouvrir. Eh oui, et s'il me tire de Dante, c'est moi que je suis la morte. <laughs> je me tiendrai devant vous. Faites-moi confiance. Et, et s'il me demande ce que je veux ah, Vous avez un prétexte. Que j'apporte des serviettes, par exemple. Ah. Pour la votre collègue. Oh, eh ben, calme plat, patron. On va tâcher de se faire ouvrir. Mettez-vous là, madame. Derrière nous deux. Allez-y, allez frappez. Qu'est-ce oh, Qu que vous, vous attendez oh, bah, Vous n'allez pas m'empêcher de dire ma prière, peut-être, non Vous, vous n'avez rien à craindre. N'ayez pas peur. C'est pas que j'ai peur. Alors, vous frappez et vous appelez. Monsieur, monsieur. Plus fort. Monsieur. Monsieur. Oh, il répond pas. Mais plus fort, je vous dis. Monsieur Monsieur C'est là C'est la patronne de l'hôtel J'apporte les serviettes Un instant, s'il vous plaît J'apporte oui, les serviettes Ça va, madame. Ça va, porte... fini, la, ça la, va. La oh, Si vous. Monsieur le commissaire. On peut entrer? Vous n'avez rien à faire ici. Je regrette, mais... Pousse, Guérin. Les policiers forcent l'entrée. Et voilà. Avec toutes nos excuses. Guérin, je te présente Jean-Marc, le fils d'Alexandre Grancet. Vous écriviez des lettres N'y touchez pas. Vous n'avez pas le droit. Mais je le prends. Je vous attire, dites-moi, son patron le pétard. Allons, allons. Passe donc ce joujou, mon sang. Allons, ça y est. Je l'ai. Ouf. Non, mais on a eu chaud. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. À qui étais-tu en train d'écrire À mes parents. Et cette autre lettre là, Monsieur le Procureur de la République, je déclare me donner volontairement la mort. Mon pauvre garçon, tu allais faire une bêtise monumentale. Je me fous de votre opinion. Elle était ta maîtresse, n'est-ce pas Oui, oui, elle m'aimait, elle m'aimait, et je l'aimais aussi. On souhaitait tout le reste, et maintenant, maintenant, elle est morte. Morte Mais vous comprenez ce que ça veut dire Et c'est pour ça que tu voulais mourir à ton tour dans la même chambre qu'elle. Depuis hier, je joue la comédie. Je n'en peux plus. C'est au-dessus de mes forces. On devait partir tous les deux, loin d'ici. Quand avez-vous décidé ça Avant-hier. Elle m'a téléphoné de venir la rejoindre ici. Elle s'était disputée avec mon... avec son mari à propos de... Oui, oui, oui on sait tout ça. Ensuite. Elle voulait qu'on parte pour Paris. Oui. Et tu serais parti sans avoir achevé tes études, sans situation tu aurais quitté tes parents Mais avec elle, mais, mais je serais au bout du monde. Vous avez passé la nuit ensemble Oui. On est d'abord allé dîner en ville. On est rentré ici vers 9h et on s'est séparé un peu avant minuit. Pourquoi Il fallait que je retourne chez moi, que je prépare au moins une valise. Elle n'avait emporté aucun bagage. J'avais aussi un, un petit peu d'argent à retirer de la caisse d'épargne. Et tu es revenu ici Le matin à 9h, avant d'aller chercher l'argent, il y avait un de ces branle-bas dans l'hôtel, un quart de police, et dans la rue, des agents. Alors, je me suis renseigné au bar. Et alors Alors, je suis retourné chez moi une fois de plus, et je me suis enfermé dans ma chambre. J'étais comme ivre. Toute la journée, j'ai vécu dans un cauchemar. Je me demande encore comment j'ai pu tenir le coup jusqu'à l'apparition des journaux du soir. Mais cette comédie, toute la journée. Quelle comédie Mais vivre, agir, agir normalement, manger, sourire, comme si de rien n'était. Alors que l'or était morte, que je le savais, que j'étais le seul à le savoir autour de moi, mais mes parents parlaient d'elle comme du... Mais ils ne la connaissaient pas Mais personne ne la connaissait Et il y a longtemps que elle et toi... Depuis l'hiver dernier, on était à la neige. Ma mère, Laure et moi. Sans ton père ni ton oncle Ils étaient retenus à Marseille par leur travail. Mon père a fait une mauvaise grippe et ma mère a dû rentrer subitement. On est resté seuls, Laure et moi, et ensuite, ensuite on a continué à se voir en cachette. Tes parents ne se sont jamais doutés de rien Jamais. Même pas maintenant. Après le drame. Ah, non plus. Je ferais n'importe quoi pour que ni eux ni mon oncle ne la prennent. Tu aurais fait n'importe quoi. Oui. C'est aussi un peu pour ça que tu voulais te tuer. Mais vous ne comprenez donc pas. Mais c'était la femme de mon oncle, de mon oncle, qui me considère comme son fils et que j'ai trompé, que j'ai trahi. Oh, S'il l'apprenait. Oh, S'il l'apprenait, je, je n'oserais jamais plus paraître devant lui. C'est ce que tu étais en train d'expliquer à tes parents dans ta lettre d'adieu. Oui. Vous allez leur en parler Je crains de ne pas pouvoir faire autrement. Oh, je m'en irai. Je disparaîtrai. Je ne supporterai pas que. Je, 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 je. En somme, il n'y a que toi qui compte. Vous osez dire une chose pareille alors que. Alors que je ne vivais que pour elle Oui, mais à présent, tu refuses d'assumer tes responsabilités. Tu démissionnes. C'est vrai. Vous avez raison. Je démissionne. T'es-tu seulement posé des questions sur le mobile du crime hein? Tu n'as pas pensé à la jalousie de ton oncle, par exemple Si j'étais sûr que ce soit lui, je. Je l'aurais tué Ah bah décidément, c'est une manie chez toi. Tu veux te tuer Tu veux tuer ton oncle Et, donc, et elle Ne l'aurais-tu pas tué Pour l'empêcher de parler hein Allô Oui, c'est bien le bureau du commissaire parent. Non, non, son adjoint. Ne quittez pas. Euh, C'est le planton. Monsieur Grancet demande à vous voir. Lequel André, le veuf. Bah, Qui monte Allô Oui, faites-le monter. Oui. Ah bah, il a le chic pour ne pas attendre qu'on lui rende visite, celui-là. Déjà bah. hier soir. Hein. Où as-tu le fourré, le petit Jean-Marc Martin est en train d'enregistrer sa déposition. Et ses parents bah, On les attend d'une minute à l'autre. Arrange-toi pour qu'ils ne se rencontrent pas les uns les autres. Hein. Entrez. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur Grancet. Bon, euh, je vous laisse, patron. Et je me proposais justement d'aller vous voir, M. Grancet. Asseyez-vous et causons. Merci. Je suis venu pour ça. Mon frère ne m'a pas caché que vous me considériez comme votre suspect numéro un. Et vous vous en êtes indigné, naturellement. Oh, j'ai dépassé le stade de l'indignation. Toutefois, afin de vous éviter des errements inutiles, j'ai quand même tenu à me justifier. Je ne demande pas mieux. Si j'ai bien compris, vous êtes particulièrement intrigué par le fait que c'est moi qui est donné à ma belle-sœur l'adresse de l'hôtel. Ce qui prouve que vous la connaissiez. Depuis quand Toute la question est là. Je l'ai appris hier, au début de l'après-midi, par un coup de téléphone. De qui Un coup de téléphone anonyme. Ah. Et probablement de la même origine que la lettre. Possible. Je parie qu'il s'agissait d'une femme. En effet, vous savez qui c'est Pas encore. Je parie aussi que, comme dans tout scénario policier qui se respecte, je parie qu'elle déguisait sa voix. J'y ai pensé également. Elle nasillait beaucoup. De votre côté, vous avez des raisons de soupçonner une femme hmm. Pour la lettre anonyme, oui. Nos experts l'ont examinée les caractères qui la composent sont éminemment caractéristiques, si je puis dire. Ils ont été découpés dans un numéro de Songe, un magazine féminin. Et vous en déduisez ah, Eh bien, qu'il s'agit d'une femme. Ou bien qu'on a voulu nous faire croire qu'il s'agissait d'une femme. La voix que j'ai entendue au téléphone était une voix féminine. Déguisée peut-être, mais féminine. Je vous en donne ma parole. Malheureusement, vous êtes j'ai parti. Je ne vous permets pas de douter de ma parole, monsieur. Vous voyez bien que vous êtes encore capable de vous avier. Je viens un ami, mais si vous mettez systématiquement en doute toutes mes déclarations, je n'ai rien à faire ici. Monsieur Grosset. Quoi encore? Où étiez-vous la nuit du crime? chez moi, tout seul, auprès de l'appareil téléphonique, à guetter un appel qui n'est pas venu. je regrette que personne ne puisse se confirmer. et moi, je regrette que la police perde son temps à tracasser les victimes au lieu d'arrêter les assassins. bonjour, monsieur. <laughs> j'attendais qu'il soit parti. les parents de jean-marc sont là. Les pauvres gens sont dans un état. tout à leur place. Mmh. D'autre part, Boniface a réussi à se procurer le magazine en question. Mmh. Regardez. Mmh. Les lettres ont été découpées un peu partout. Et tu me le laisses. Tu me le laisses et tu m'envoies les parents de Jean-Marc. OK. Madame, monsieur, si vous voulez bien entrer. Où oui. oui, Jean je mmh. est Jean-Marc, monsieur le Rassurez-vous, madame, il va très bien. Cette tentative de suicide nous sidère. Mmh. Vous ignoriez que votre belle-sœur était sa maîtresse Si je l'avais su, j'y aurais mis bon ordre. Et vous, madame, est-ce pour y mettre bon ordre que vous avez envoyé cette lettre anonyme à votre beau-frère oh, Moi Voici le dernier numéro de songe. Un inspecteur est allé le réclamer de votre part à votre bonne tandis que vous veniez ici. Beaucoup de lettres ont été découpées et je suis certain que... Qu'est-ce que ça prouve et je suis certain qu'en cherchant celle qui manque, on pourrait reconstituer la lettre. Vous avez commis l'imprudence de ne pas vous débarrasser de ce numéro. Tu as fait ça Nier serait reculé pour mieux sauter, madame. Tu as fait ça Oui. Je l'ai fait en désespoir de cause, pour essayer de sauver Jean-Marc des griffes de cette mauvaise femme. Leur liaison vous était donc connue j'ai trouvé un billet de l'ordre dans la poche de Jean-Marc. Il en perdait la tête. Je sentais que ça finirait mal. Et qu'espériez-vous en envoyant cette lettre Qu'après cette alerte, elle se tiendrait tranquille, qu'elle renoncerait à Jean-Marc, qu'elle ne sacrifierait pas son intérêt à ce qui n'était pour elle qu'une aventure parmi d'autres. Et vous vous êtes trompé. Ma pauvre Marceline, tu as joué à l'apprenti sorcier. Oh, je te demande pardon. Jamais je n'aurais imaginé, jamais qu'elle déciderait de partir avec lui pour Paris. Mais comment le savez-vous J'ai surpris de la conversation téléphonique que Jean-Marc a eue avec elle avant-hier, lorsqu'elle lui a demandé de venir la rejoindre à l'hôtel. Sans méfiance, il ne se doutait pas que je l'épiais. Il a répété à haute voix les indications qu'elle lui donnait. Mmh. Ce qui vous a permis, hier après-midi, de les téléphoner anonymement à votre beau-frère. Et pourquoi ma femme aurait-elle fait une chose pareille C'est aussi la question que je vous pose, madame. Allons, réponds. Je voulais qu'André aille à l'hôtel du midi pour empêcher Laure de partir avec Jean-Marc. Et au lieu <laughs> de se rendre directement là-bas, il est venu chez vous. Oui. Mais je ne pouvais pas lui refuser d'être son intermédiaire. Vous ne saviez pas encore que Laure était morte. Mais personne, personne ne le savait dans la famille. Si, votre fils. Et je vais vous dire pourquoi vous avez voulu que votre beau-frère connaisse l'adresse de l'hôtel, pour qu'il y ait un suspect de plus. Oh. Parce que vous n'y auriez pas. Que Laure était morte et que vous désiriez protéger le meurtrier. Jean Marc n'est pas coupable. L'ai-je accusé Vous l'avez insinué, entre. Laisse parler, Monsieur le Commissaire. Non, non, Je... ce n'est pas à moi de parler. Vous n'avez toujours pas répondu à ma première question, Madame. Comment saviez-vous que Laure et Jean Marc devaient partir ensemble pour Paris Elle vous l'a dit. Elle a surpris leur conversation téléphonique. Hum. Non, Monsieur. Non. Le sujet n'a pas été abordé au cours de cette conversation. La décision n'a été prise que plus tard entre Laure et Jean-Marc, alors qu'il se trouvait seul à l'hôtel. Mon fils n... Votre fils ne vous a fait aucune confidence. Il me l'a affirmé. Il ne reste donc plus que Laure. Et dans ce cas, il faudrait que vous l'ayez revue vivante après minuit. Après que Jean-Marc l'ait quitté. Non, ce n'est pas vrai. Alors Qui vous l'a dit C'est moi, monsieur le commissaire. Oh, Alexandre. Au point où nous en sommes, ma pauvre Marceline. Je présume que vous avez compris, monsieur le commissaire. Mmh, J'hésitais encore entre vous deux. N'hésitez plus. C'est moi qui ai tué l'or. Et maintenant, s'il vous plaît, qu'on en finisse au plus vite. Il ne tient qu'à vous. Et comment les choses se sont-elles passées Avant-hier, quand je suis rentré, j'avais été absent de Marseille tout l'après-midi. Ma femme m'a mis au courant des événements. J'ignorais. Je, je l'ai ignoré jusqu'à présent quel était l'auteur de la lettre anonyme. Oh, mais tout ça, c'est ma faute. Rien que ma faute. Je me suis rendu à l'hôtel du midi. Je voulais avoir une explication avec Laure en dehors de Jean-Marc. J'ai surveillé l'hôtel d'un café voisin jusqu'à minuit. Jusqu'à ce que je vois Jean-Marc s'en aller. Alors je suis monté au 12. En passant par le bar Oui. Laure a ouvert, croyant que c'était Jean-Marc qui revenait. Elle a été odieuse. Elle m'a juré que si je parvenais à empêcher Jean-Marc de partir avec elle, je ne l'empêcherais pas, elle, de tout raconter à mon frère. N'était-ce pas un moindre mal Mais essayez de comprendre. André est plus jeune que moi. Il a toujours été mon petit frère. Jamais un nuage entre nous. Jamais. Nous sommes... Enfin, nous étions une famille unique comme les doigts de la main. Et voilà qu'il allait apprendre que mon propre fils... J'ai supplié l'or. Je lui ai promis le secret si elle consentait à reprendre sa place auprès d'André. Je vous l'ai dit, elle a été odieuse. Je l'ai tuée comme on écrase une bête malfaisante. Je suis ressorti par le bar. Personne n'a fait attention à moi. Et pourquoi avez-vous emporté le sac à main Je n'ai pas perdu de temps à le fouiller sur place. Je tenais à m'assurer qu'il ne contenait rien qui pût mettre Jean-Marc en cause. Je l'ai jeté dans un égout avant de rentrer. Et vous avez mis votre femme au courant je n'ai rien empêché. Rien du tout. Non. Rien du tout. Alors, alors, alors. Du courage, madame. Votre mari va avoir besoin de vous maintenant. Beaucoup. Besoin de vous.